je suis Éric Deveau, directeur de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles à Roubaix dans le Nord. Et donc, c'est une école qui forme environ 120 ingénieurs en spécialité textile par an, et dans lequel il y a un laboratoire de recherche qui s'appelle le GEMTEX et qui travaille entre autres thématiques sur le développement de fibres fonctionnelles et aujourd'hui multifonctionnelles, ce qu'on appelle un peu pompeusement les textiles intelligents. Et donc, beaucoup de capteurs chimiques, thermiques, mécaniques et aujourd'hui des fibres pour la récupération d'énergie. Bonjour, donc Brice Cruchon, je suis le cofondateur de Dracula Technologies. Nous, on met là dans l'objet connecté, mais je dirais de manière induite, puisqu'on amène de l'énergie pour que ces objets connectés puissent vous donner de l'information. Notre métier, c'est de réaliser ces panneaux, les intégrer et tout ça par impression numérique. Antoine Ormière de Citizen Science. Je suis directeur marketing et responsable du secteur sport chez cette entreprise lyonnaise. Notre mission principale est d'intégrer des capteurs dans le textile. Pas faire du vêtement intelligent, mais faire du textile intelligent, qui va permettre de faire dans un premier temps du vêtement intelligent, en particulier pour le monde du sport, mais demain d'autres textiles, que ce soit pour le sport ou pour d'autres marchés. Bonjour, Xavier Alexandre, directeur général d'Exoskin France, responsable de la stratégie sur l'Europe au niveau commercial et marketing. Exoskin est un t-shirt connecté, développé par une start-up canadienne dénommée Carré Technologies. Donc voilà, ma mission, elle est un peu plus commerciale que technique, mais je serai là pour répondre aussi aux questions techniques s'il y a besoin. Merci. Bonjour à tous, je suis Pierre-Damien Berger, je travaille au CEA, à CEA Tech précisément, donc toute la partie technologie du CEA. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le domaine des objets connectés et je suis d'autant plus en plus impliqué dans cet environnement de connectivité parce que je suis aussi le VP de tout ce qui est Internet des objets pour l'ensemble de CEA Tech qui regroupe à peu près 5000 personnes travaillant sur les domaines de recherche et d'innovation. Pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que dans ces objets connectés, on a aussi innové avec une technologie qui est purement silicium, donc je veux dire purement capteur, pour la connecter sur un fil, et c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, l'idée pour nous est toujours d'arriver en effet à créer un écosystème, on va dire, ou en tout cas un réseau de capteurs qui soient tous portés sur le même vêtement, sur la même plateforme textile ou sur plusieurs accessoires, comme vous venez de le dire. On travaille sur les deux pistes, à savoir des communications de capteurs entre eux via un réseau filaire, comme via un réseau, je dirais, RF, en ondes radio. Concrètement, dans le t-shirt qui sortira donc, courant 2016, je reste encore large encore une fois, on a une communication filaire entre certains capteurs. C'est-à-dire que, comme Exoskin et comme tous les acteurs du marché des textiles connectés, on a forcément un boîtier avec le vêtement, parce qu'on a parlé des questions de batterie, c'est ce qui prend le plus de place, de poids également, de masse, en tout cas, c'est le plus important. Donc on a cette problématique-là, mais ce boîtier, nous, on a la possibilité, avec notre technologie, de le placer où on veut sur le vêtement. C'est-à-dire qu'on a développé des fils conducteurs élastiques qui permettent de relier plusieurs capteurs entre eux. Et la preuve réelle sur le marché sera le cuissard développé pour le cyclisme que l'on va sortir avec notre partenaire, le groupe Cyclelab, qui doit être présent. J'en ai croisé un membre du groupe tout à l'heure avant d'arriver. Avec Cyclelab, on aura en gros le capteur cardiaque relié au boîtier avec la batterie, etc., et le GPS, puisque nous on l'a intégré, et un accéléromètre sur la cuisse qui va donner des informations. Un capteur sur la cuisse pour du vélo, vous imaginez assez facilement ce que l'on peut donner comme info sur la cadence de pédalage, etc. Donc, dans un premier temps, on va sortir des textiles, en l'occurrence un cuissard vélo, qui vont agir comme une plateforme avec plusieurs capteurs connectés entre eux. L'objectif, évidemment, c'est de maximiser, on va dire, la valeur ajoutée pour l'utilisateur, et c'est d'avoir plusieurs capteurs pour capter des données à plusieurs endroits. Sauf à se vêtir d'une combinaison intégrale avec une capuche, etc., ce qui n'est pas forcément adapté à toutes les situations de la vie quotidienne, on va en effet travailler, et on est en train de travailler sur la mise en réseau de plusieurs capteurs issus de plusieurs supports différents. Support textile, puisque c'est notre métier, dans le domaine du sport, mais pas que. Donc, je ne peux pas encore en dire plus, mais d'ici la fin de l'année, on annoncera des nouveaux produits qui sont sur le point d'aboutir, on va dire, en termes de mise au point, et que nous n'aurons plus qu'à industrialiser et commercialiser par la suite, ou faire commercialiser par d'autres, encore une fois. Donc je ne peux pas encore trop en dire, mais on commence à ajouter d'autres accessoires dans le monde du sport, et aussi d'autres produits hors sport.
Alors en fait, ce qu'il faut juste replacer dans pour replacer le contexte, on a été challengé en fait par une association qu'on avait nous-mêmes créée, qui s'appelait Métis il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, et en fait, les fabricants de tissus et de papier nous ont challengé en regardant ce que l'on faisait, qui était miniature, mais ils nous ont dit par rapport à l'épaisseur de nos produits à nous, et ben vous êtes toujours encore trop gros, même si on était de l'ordre du millimètre d'épaisseur. Donc en fait, de cette réflexion et de cette remarque, en fait, il y a quelques personnes qui se sont bien creusées la tête et qui ont développé en fait une technologie qui permet de travailler sur des puces qui font d'une épaisseur maximum de 0,8 mm, donc 800 microns, et on peut descendre jusqu'à 200 microns. Et puis en termes de surface, on est inférieur au millimètre carré, c'est-à-dire qu'on est par exemple sur des puces de RFID de 300 à 600 microns de côté. Donc ce qui fait quand même quelque chose qui est relativement petit, mais sur lequel en fait on a quand même pu travailler sur une architecture où sur le côté de la puce on arrivait à faire des petites fentes dans lesquelles on venait glisser ou clipper des fils, alors que vous connaissez encore mieux que moi, qui font quelques dizaines voire une centaine de microns de diamètre. Et en fait, en clippant cette technologie, on arrive à faire ce qu'on appelle un fil électronique. Alors c'est une petite puce que l'on vient plugger sur un fil, vous pourrez venir voir tout à l'heure de façon très concrète. Donc ça peut être une puce RFID qui peut être tissée, donc inclippée sur un fil, et cette petite technologie étant si petite qu'elle permet d'être compatible avec la torsion d'un métier à tisser, et qui est donc tellement petite et tellement souple que donc c'est complètement compatible avec un métier à tisser classique. Donc ce qui a été intéressant ici, c'est que l'idée d'une part était géniale, la réalisation était d'autant plus géniale, et la maturation de cette technologie s'est faite pendant plusieurs mois au sein de nos laboratoires, avec des brevets qui sont évidemment français et appartiennent au CEA. Et l'idée a été supportée par la Commission européenne dans le cadre d'un programme de développement de la technologie que nous avons évidemment remporté, et c'est un des projets européens sur lequel j'ai eu le moins de négociations parce qu'en fait la technologie était tellement impressionnante que la Commission n'a pas a vraiment voulu pousser cette technologie. Et nous avons créé en fait, grâce à cette technologie et surtout aux machines que nous avons créées pour réaliser cette technologie, une start-up qui s'appelle Primo 1D et qui aujourd'hui commercialise ce type de puce. Voilà. Donc en termes d'applicatif, à quoi ça peut servir? Vous avez par exemple une puce RFID, donc vous la mettez dans une chaussette ou dans ou n'importe quel textile, en fait vous avez la possibilité de communiquer, ou en tout cas d'avoir l'identification de la paire de chaussettes ou du vêtement Gore-Tex ou d'une chaussure, du moment où vous tissez ça dans le tissu qui va confectionner votre produit. Mais on peut imaginer tout à fait aussi, à la place de mettre une puce RFID, de mettre une LED, donc on va pouvoir faire des tissus qui vont illuminer, qui vont avoir des points intéressant pour émettre un peu de lumière. Et puis ce que nous avons dans nos roadmaps, c'est remplacer cette LED ou cette RFID par tout simplement un capteur. Donc un capteur, ça peut être un capteur de rythme cardiaque, ça peut être tout un tas de capteurs qu'on peut rendre compatibles avec cette technologie. Il y a l'étape de réaliser la fibre textile. Vous avez la deuxième étape qui est de clipper le fil électronique, j'allais dire, avec la fibre textile. Donc on entoure, et ça c'est vraiment un procédé lié au textile, on mélange la fibre textile et la fibre électronique, et ensuite il y a le tissage du tissu à proprement dit, à partir de la fibre et du rouleau de tissu que l'on peut réaliser.